Est-ce que vous êtes prêts? Quoi là tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, là où aujourd'hui on va jouer à God of War. Ou plutôt devrais-je dire God of War. J'ai ramené ma massue. Bon ok, elle fait pas peur, mais au moins j'en ai une. On va voir si le jeu est bien, il est noté 20 sur 20 à peu près partout. Donc en gros, il est ultra coté. J'ai sorti ma manette rouge, rouge comme le sang. Mon t-shirt rouge comme le sang et mon fond vert, parce qu'aujourd'hui on va faire tout let's play en mode fond vert. Donc en gros pendant ce let's play, ce qui va se passer c'est qu'il y aura un fond vert derrière moi et ça va être une vidéo très détente, très calme. Alors prends ton soda, prends ton eau potable, prends ton eau pas potable, fais ce que tu veux. Prends même un café, deux cafés, peut-être même un troisième parce que jamais 203. Putain de fond vert toujours dans l'excès. Je veux faire un truc stylé, ça marche jamais. Je crois que ça tient. Ok c'est parti. Quel bel arbre! Ne faites qu'un avec la nature, avec les cours de yoga de Monsieur War. Monsieur God. Les méditations de yoga les plus calmes jamais proposées par le monde du yoga. Demain dans votre librairie. Le calme et la tempête. Ok, il est un peu moins calme. C'est quoi ces cours de yoga? Ok, je pense qu'on va casser... Oh, ok, c'est bon. Je pense qu'on doit casser cet arbre. On a... Je sais pas ce qu'il nous a fait. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il peut pas se défendre, c'est un arbre. God of War! Ok, donc là, du coup, l'arbre, il tombe. Cours de yoga zen. Avec Monsieur Kratos. Ouh. J'en ai trouvé. Ah, lui je crois que s'appelle Atreus, c'est notre fils. Je crois que c'est comme ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas God of War, lui c'est Kratos, le père théoriquement du coup. Et je tiens à le dire maintenant, avant que tout le monde dans les commentaires commence à paniquer, je connais pas du tout God of War, c'est la première fois que je joue. C'est ma première expérience, donc on va essayer de la passer ensemble et juste s'amuser. Donc normalement le jeu du coup raconte à peu près l'histoire du coup de Kratos et son fils. Oh lui là il est à la salle, lui il pèse littéralement. Mec il porte ça comme si c'était... un papier. Ok. Et donc du coup là, lui je crois... Alors je vais peut-être pas dire de bêtises, je sais pas comment ça se prononce, mais normalement il s'appelle Atreus, je crois. Et c'est notre enfant, regardez, il est tout gentil. Ok, donc on va aller dans le bateau directement. Ah, on perd nos branches. Je sais pas si c'est grave. Et on va s'en servir comme rame. Non, je pense pas. Atreus. Ok, c'est du bois flotté. Ça suffira. L'éducation parentale de Kratos est complexe. Descendre dans la rivière. Oh oui! J'adore les moments là où on doit genre descendre dans des rivières. Non, je rigole. Mais en vrai, ce que j'aime bien, c'est... Quoi? Voilà. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. J'aime beaucoup en fait les moments, genre, c'est pas dans Uncharted, les moments là où les personnages... Oh, elle a un petit créneau. Les moments là, les personnages, en fait, ils se parlent entre eux et ils dévoilent des choses sur leur passé ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien. C'est un jeu avec Benjamin. Sacré Benjamin. Toujours dans l'excès. Mais du coup... Kratos, donc le personnage principal du jeu, je crois que c'est une sorte de demi-dieu. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense qu'il y a vraiment une très grande histoire là-dessus. Mais du coup, oui, c'est un demi-dieu, et là, du coup, c'est son fils. Je sais pas si son fils, du coup, est demi-dieu aussi. Ça pourrait être intéressant de savoir ça. Par contre, du coup, là, je sais pas où on va. Avec notre petite bûche. On rentre pas bredouille. Par contre, le jeu est vraiment beau. Il tourne très bien, c'est ça qui est bizarre. Je vais pas...
Je vais pas tout le temps parler en fait, je pense dans ce let's play je couperai uniquement les temps de chargement. Parce que j'ai vraiment envie qu'on se mette dans l'ambiance du jeu. Qu'on soit dans le jeu. Soyez le jeu. Qu'on se mette dans l'ambiance zen et relax des cours de yoga de Monsieur Kratos. Parce que c'est God of War. Et du coup là c'est notre maison. Oh là une petite maison, c'est trop mignon. Attends du coup on fait quoi? Et là notre hache. Dans les anciens God of War il avait des dagues, je sais pas pourquoi maintenant il a une hache. C'était le dernier. Hello. C'est bon, il y a quelqu'un sur la table. Oh. Mais qui est mort? Who is dead? Voilà que je vois ma mère. C'est sa mère? Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Ok. Voyez, les voilà qui m'appellent. Ok. Oh mèche, elle a des jolis tatouages. Mais je pense voyez que... Voyez les voilà qui m'appellent. Je pense que ça doit être sa mère. Voyez les voilà qui m'appellent. Voyez les voilà qui m'appellent. Ok, on les voit. Ouh. Oh, avec la musique, c'est tellement badass. Un petit air de violoncelle. Elle est prête. Ok, donc déjà c'est une femme, donc il y a largement beaucoup de chances pour que ce soit sa mère. Retrouve les tiens. Oh. Tu es libre. La musique de ce jeu est ouf. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on va la brûler? Oh man. Comment bien commencer un jeu? Brûler sa femme ou sa mère? Waouh. Ça c'est... Pour l'instant c'est vraiment bien. Il a joué avec le feu. Littéralement. Je suis désolée. Serre. Ce couteau. C'était le sien. Ok. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant. Ok. Alors, en fait, ce jeu en général va beaucoup se baser du coup sur les relations père-fils de Kratos et Atreus. Mais le truc, c'est que là, en fait, de ce que moi je comprends... c'est que Kratos n'a pas... élever l'enfant... Qu'est-ce qu'on chasse? Tu chasses le cerf. De A à Z. Il vient d'arriver en gros. Parce qu'il sait pas et tout ce que l'enfant... Où ça? Là où se trouve le cerf. Il connaît pas ses capacités en fait. D'accord. Par là.
Allons chasser le cerf. Écoutez, en bon dimanche à Bamako, on chasse le cerf. Hein. Non, en vrai, donc comme je disais, non, je faisais un peu de parler pendant les cinématiques, mais là j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Et parce que je me suis pas trop fait spoil jusque-là. Pourquoi on fait ça maintenant? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne? Ça dépendra de toi. Allez. Donc, qu'est-ce que c'est trouvé? Des traces, c'est... mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Donc, je disais en gros, donc les relations du coup père-fils, c'est à peu près tout le but du jeu. Et aussi ce qui va se passer du coup, enfin moi ce que je comprends du coup avec la première cinématique, parce qu'il avait pas l'air de connaître les capacités de l'enfant, je pense qu'en fait Kratos est arrivé après. Et du coup la mère, elle est genre, elle a élevé l'enfant toute seule apparemment jusque là. Encore les traces. Oui, mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Elles sont trop rondes, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Désolé. Bah là il faut sauter, tu vois petit. Dans la vie, on saute. Wouhou! T'en prends aucun élan? Par ici, Atreus. C'est badass. Waouh, il est agile. Je vais t'appeler Attends, petit pousset agile. Elles sont fraîches. Par ici. Ok, on va. Du coup, on chasse. J'aime vraiment beaucoup, du coup, le. Comment dire, le fait qu'il y ait genre. Pas que Kratos qui soit mis dans cette œuvre-là. Ouh! Il est magnifique! Mais pourquoi je veux le tuer? Il est trop beau! Pas okay. Si vite, Atreus. Désolé. Okay. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Parce que sinon, tu vas perdre. Un cerf, c'est très rapide. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Quel thug. Écarte-toi. Oh, est-ce qu'on va genre rentrer dedans directement avec notre coude? On peut équiper la hache. La hache Léviathan. L2 pour viser. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à PS4, je suis désolé. C'était génial! Mec, c'est trop bien! C'est génial! Attends, du coup, on peut rappeler la hache? Oh yeah! Ça, c'est badass! Ça, c'est ce que j'aime! J'aime God of War! Le voilà! Attends! Chut! Pourquoi t'as tiré? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier! Tu ne tires! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer! Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Ok. Trouve-le. Trouve-le. Genre, c'est marrant parce que du coup, la relation du coup entre Kratos et son fils, genre là, tu vois, t'as clairement l'impression que il est super dur, mais en vrai, pas tellement. Waouh. Oh. Non, non, pas d'arc. Ok, baston, baston. Oh, la lame des glaces. Tu connais pas mon passé. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans mon passé. Oh, on le défonce. Il se passe quoi? On va rappeler la hache. On l'a tué grâce à ça. Petit combo. On rappelle la hache. Oh, il y a plein d'ennemis en fait. C'est marrant qu'ils nous attendent à chaque fois. Oh, on peut leur faire des attaques spéciales. Oh. Mais ils sont faits en citrouille. Pourquoi ils ont le sang comme ça? C'est quoi ce bordel? Oh, coup de pied. Et ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Ah, bonjour vous. Vous allez bien? Vous passez une bonne journée? Pas trop de problèmes les citrouilles? Oh mec, on est trop chaud. On peut en prendre un par deux. Un acheté, un offert. On est tellement violent, c'est chaud. On est ultra badass. Dégagez les citrouilles. J'ai toujours préféré les cornichons. Bim. Mais ils sont combien? J'ai pas envie d'éradiquer les citrouilles de la surface de la Terre. Oh, on est vraiment en train de découvrir le jeu. Moi, je suis vraiment à fond là. Moi, je suis très content pour l'instant. Je sais que c'est que le début, mais bon. Pour l'instant, le jeu est vraiment bien. Ok, il est à le cerf. Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus. Sans exception. C'est quoi ce bordel? Le reset pour la mer est quand même en mort. Allez, on est parti. Ouvre la porte. Ça, c'est comme ça que j'ouvre la porte de mon frigo. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. Oui. On devrait se rapprocher. C'est la pédagogie. T'imagines, mais t'as Kratos comme prof. Comment il te détruit à chaque fois que t'as une mauvaise note? Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Ok. Je pense qu'on va se refaire attaquer. Je pense que le cerf c'était un leurre. Ah voilà.
Donc en fait, du coup, c'est l'ajout des santé des ennemis, blablabla, on s'en fout. Regardez. Eh hey, bonjour. Je vends des canapés, qui veut des canapés? Ah, boum. Je sais pas pourquoi je les maltraite. Arrêtez de me maltraiter, j'ai rien fait, je suis pacifiste. Les cours de yoga, ça me maintient. Oh, bonjour, bonjour. Oh, désolé, 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 je vais pas vous embêter, je vais pas vous embêter. Je connais un très bon dentiste pour vos dents. Ok, belle esquive, belle esquive, belle esquive. High kick, middle kick. Bonjour, au revoir. Lui, il est cassé, il est par terre. Oh, doublé, triplé. Moi, je vous mange au petit déjeuner. En plus, c'est le matin. Théoriquement, genre, j'ai envie ce gameplay, il est genre 10h. Donc, théoriquement, je suis encore fatigué, j'ai envie de me réveiller. J'ai voulu jouer au jeu dès qu'il était sorti parce que j'avais envie d'être dans les premiers à poster dessus. Tous morts. God of War. Oui, la suite. Ok, lui il a pas l'air commode. Lui c'est une commode. Allez, c'est parti, t'es mort. Merci. Applaudissez-moi. Ah, personne ne va m'applaudir. Ok. Oui, j'ai vu. Merci beaucoup. Attends. Du coup, il se passe quoi du coup si je fais ça? Attends. Oui. Je pense quand même qu'il faudrait que lui il passe. Et si je le mets là-haut et que je casse du coup le rouage directement? Je suppose que c'est beaucoup beaucoup plus possible. Oui, pas bête. Je suis jamais bête, je suis ton père. Non, attends. Du coup, maintenant qu'on est ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que clairement. Parce que maintenant on est en fait. Ah oui, parce que du coup, maintenant que je l'ai rappelé, ça a ouvert l'autre. Intelligent, ok, je comprends le gameplay. Pour l'instant, tout va bien. Donc, attends, du coup, on va aller parler, on va continuer à suivre Atreus. Je sais vraiment pas où il mène. Il veut vraiment s'en servir. Et moi, je veux vraiment chasser. C'est pour ta mère. Père, regarde. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Jamais je t'embrasse cette voix-là, moi. Détends-toi, essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible, vide ton esprit. Solide sur tes appuis, ne bouge pas. Expire et lâche la corde. Wouhou! Merde, j'ai raté. On peut le faire. Détends ton bras et inspire. Et du coup, là... Yes! On l'a touché! Bien. Touché coulé. Bien joué. Ah, nous on peut pas passer par là, on est pas assez petit, nous on prend les autres chemins. Mais il est trop beau, pourquoi tu l'as tué? C'est... Je comprends pas. Mais il est vraiment beau par contre. Ton couteau. Et donc du coup tout le jeu est inspiré du coup de la mythologie nordique. Non, finis ce que tu as commencé. Et du coup c'est normal qu'il y ait des cerfs, etc. Il a pas envie. Mon fils! Non! Non, pas dans l'œil. Oh, dans l'œil, ce serait tellement horrible. Ah, pas dans l'œil, pitié. Non, fais pas ça. Pas. Tu peux y arriver, fils. Je vais t'aider. Et bing! En plus, ils prennent leur temps. Ah, j'ai vu quelque chose apparemment. Je... Qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, au moins on l'a eu. Faut arrêter. C'est pas mal déjà. C'est dur de chasser un cerf. Oh bah, bonjour! Mon fils, putain, non! Non, non, ok, ok. Ok, toi, viens, toi, viens, toi, viens. Toi, bing, voilà. Déjà, coup de pied. Mec, me vole mon cerf. On comprend rien à ce que tu dis, putain, chez toi un bécherel. Oh, quoi. Oh non, non, non. On va devoir se battre. Ok, Atreus, tu lances des flèches. Moi, je reste là. Ok. Ok, donc là, je peux viser mes flèches. Faut pas que tu as, Atreus. Bim! Aïe! Ça fait mal. Ok, je sais pas du tout quoi faire. Atreus lance des flèches, putain! Fais pas l'enfant! Mais non, il est pas trop fort, il est juste trop gros! Ok, vraiment tu mon fils. Je sais pas ce qu'il t'a fait. Il t'a volé ton goûter. Mais il faut vraiment que tu barres. Aïe, aïe! Ok, tire des flèches, Atreus. Je le divertis, je le divertis. C'est pas mal, continue à tirer, continue à tirer, continue à tirer. Pensant, moi je vais lui faire le coucher.
Oh mec, il est super costaud, c'est horrible. Moi je pense que lui faut attaquer de loin. C'est bien mon fils, continue. Attention, attention, il va revenir, tout va bien. Ok, là il est à terre. Ok, là il sait pas trop où aller, C'est pas parce que tu gagnes fort qu'on va te respecter. Ah merci, c'est bien. Tu peux toujours essayer, moi je suis trop agile. Je suis un guépard. Ok, esquive. Putain mec, on a trouvé ce qui. Ok, Atrius il a plus de flèches, donc il va falloir faire super attention. Ok, là, il m'a pas eu. J'esquive bien. Ok, il reste plus beaucoup de points de vie. Ok, Atrius, continue à tirer les flèches. Oh putain, il nous tabasse avec une bûche. Ah, c'est pas Noël. Boum. Voilà. Et maintenant, on termine. Atrius. Il arrive juste après. Ok, merci, il est temps. Atrius, regarde-moi. Atrius, regarde-moi. Moi aussi. Tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. Oui. J'ai fait une preuve. C'est vrai. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Mais je sais pas en fait de quoi il parle quand il dit qu'il est pas prêt. De quoi tu parles, Kratos? Je suis prêt. Je ne veux plus t'entendre. S'il dit qu'il est prêt, peut-être qu'il faudrait l'écouter et lui dire qu'il est prêt. Je pense que ça va pas être... Genre, je pense qu'il va être un peu prêt quand même. Sinon, il n'insisterait pas à ce point-là. Mais prêt pourquoi? C'est très bizarre. Yes, on se soigne. On se soigne en écrasant les hautes herbes. Ouh, il veut directement aller en tuer un pour montrer qu'il est prêt. Ok, fils, tu es prêt. Vas-y, tire. Regardez. C'est un bon entraînement à des salciens à distance. Je peux juste... En fait, je peux juste demander à Atrius de tout faire pour moi, en fait. C'est seulement ça. Calme-toi. J'adore martyriser les pauvres. On donne des coups de pied, le pauvre, il peut rien faire. Bon, toi déjà, tu vas arrêter de me prendre pour une chouquette. Toi aussi. Je sais pas d'où viennent ces ennemis. Je sais pas d'où ils viennent, mais ils vont repartir très vite. Parce que God of War. Ok, on a gagné apparemment. Encore des ennemis? Mais vous êtes combien? Combien êtes-vous? Et que me voulez-vous? En vrai, on est vraiment complètement pété. C'est chaud. Esquive. On envoie la axe. Parfait. Ah, toi, t'es chaud. Toi, t'as mangé des cornflakes ce matin. Mais tu vas refroidir très vite. Oh, il est en glace. C'est un marchand blanc. Oh, mec. Ok, la hache pour rien contre lui. Les flèches, apparemment, peuvent le tuer. Ok, la hache. Là, en vrai, c'est la hache des glaces. Donc, théoriquement, c'est vrai que quelqu'un qui est déjà en glace, il prendra pas de dégâts. Faut le taper avec un pied. Eh, hey, tu veux un coup de main? Non, moi, je te donne un coup de pied. Aïe, putain. Oh mec, c'est un marchand blanc, c'est stylé. La maltraitance des gens en glace. Parlons-en. Appelez le 10-010. Numéro hors taxe, uniquement composable par les numéros binaires. Bum. Je t'avais bien dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. Attends, mais le respect pour le petit, il est mort. Est-ce qu'il faut casser ça? Apparemment, oui. Et du coup, on peut prendre la corde et partir. Ah non, pas besoin de corde. J'ai oublié qu'on était vraiment badass dans ce jeu. On a retourné à la maison. On a une maison. Pourquoi un troll de feu voudrait brûler le jardin de maman? Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Tu poses beaucoup de questions. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Ah, est-ce qu'on a une maison? En vrai, Kratos, dans ce jeu-là, est beaucoup beaucoup plus humain que dans les autres jeux. Parce que là, par exemple, il a un enfant, il a une maison, il a un smic. Et du coup, il est content. Et du coup, il a beaucoup, beaucoup de choses. En vrai, c'est cool que Kratos lui ait fait un background un peu différent pour cet opus-là, je pense. Et du coup, on est à la maison. Retournons à la maison. J'espère que maman l'a fait des tartes. Maman, je suis rentré. Allez, rentre. Mais je trouve qu'on maltraite, genre, beaucoup, beaucoup trop mon enfant. Je dis, il est gentil, en vrai, il est mignon. Mais du coup, on n'arrête pas de le bâcher tout le temps. Mais du coup, toutes les bêtes qu'on a vues s'appellent les Drogars. Il faut noter ce nom. Ce sera dans le contrôle de demain. Les Drogars.
J'aime vraiment la musique de ce jeu, je sais pas pourquoi. Genre elle est cool. La petite bourse. C'est mon SMIC. Oh, désolé. Mais Kratos, il a vraiment l'air triste en fait. Genre, réellement, il a pas l'air heureux. Du coup, je comprends pas pourquoi. Rentrons à la maison. On a une belle petite maison. Mais dites-moi, cette maison est vraiment très sympathique. C'est pas le genre d'endroit où on fait des soirées, je pense. Bonjour. Je t'ai laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Un peu. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Très bien. Fair enough. Alors, vas-y. Tu veux que je te frappe? Je veux que tu essaies. Aïe! Raté! Pourquoi tu... Recommence. Oh, c'est trop cute. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. On dirait recommence. On dirait un gorille. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore. Ah, c'est pas con. Ok. Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça? Silence. Oh, le sound design est vraiment bien fait, wow. Oh, c'est trop mec, il y a un dragon. J'adore les dragons. Je passe, Laurent. Sors de là! C'est le facteur. Non, attends. Ça sert à rien de te cacher. J'ai un colissimo. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Il est bourré? Je connais. Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez. Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Psst, psst, psst. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui parle? Aucune idée. Il est bourré. Entre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Ok. Inutile de faire couler le sang. Oh, c'est pas logique, merci. Oh, c'est lui! Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Je te voyais un peu plus grand. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi. Hein. Qu'est-ce que c'est ma maison, elle est à 2 mètres. Putain. Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Un smic. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Wow! L'étranger, tu prends un peu la confiance, genre juste un peu. Par de chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Ok, bah ça sera fait. Ouh. Je t'avais prévenu. Enfin. One Punch Man. Tu aurais dû écouter. Non. D'accord. À mon tour. What? Oh mec, la caméra. Wow. Ça, c'est One Punch Man. Littéralement. La caméra avait coupé. Terriblement déçu. C'est quoi? Allez, ce mec? Allez, amène-toi. Ok, on va se battre. Je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu veux, mais... Mec, il est chaud. Il est chelou.
C'est quoi ton problème? Rentre chez toi. Ici, c'est chez moi. Je m'ennuie. Oui, bah moi aussi je m'ennuie. Dégage. L'étranger. C'est comme ça que les gens l'appellent. Ta gueule. Je vais te frapper. Je déteste les gens qui prennent la confiance. Mais arrête. Casse-toi. Personne t'aime. Pathétique. Pathétique. Moi je mange des pâtes mais elles sont pathétiques. Yes. Oh non, mais on coupe le bois et en même temps on lui coupe la tête, c'est chiant. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Non. C'est son ultime, c'est quoi ça? Non. Non. Dis-moi ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Toi, je vais vraiment te défoncer. Je vais vraiment te tuer. Je pense qu'il veut juste savoir où est Atreus. Ah non. Rends-moi mon goûter. On est énervé là. Oh. Ah mais attends, il peut se transformer, c'est quoi ce bordel? Oh mec, non. J'ai touché un point sensible, on dirait. Oui. Le mien. Et il va te défoncer. Bim. Mec, on joue au baseball avec son corps. Oh. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux, Elan. Tu n'aurais pas dû venir à Midgard. Il est très bizarre, ce mec. Bien. On il a tous ses points de vie, non? Tu parles trop. Mec, je veux pas qu'il ait tous ses points de vie. C'est trop cheaté. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Je vais brûler. Ok, là il est mort. Il est tellement mort. Là, tu fais mon point de feu. Hey, yeah, man. Bim. J'ai coupé les arbres avec tout le corps. Wow. Mais là, c'est moi qui me mets en colère. C'est con. Oh, mec, il est ouf. C'est génial. Ah, mais du coup, on recommence tout. Mec, là, on se fout de ma gueule. Oh, on a des nouveaux. Ok, on a des nouveaux pouvoirs cette fois-ci. Boum. On a des pouvoirs. On est comment enragé. Ouais, j'ai l'impression qu'on ne peut pas perdre de points de vie. Mec, on est en train de le ravager. On est King Kong. Mec, c'est chaud, hein. Je suis tellement concentré. J'ai pas envie de mourir. C'est pas face à lui, il m'énerve. Je connais pas depuis très longtemps, mais il m'énerve. Mais tais-toi. Mec, il parle trop, c'est chaud. Kratos, il parle pas beaucoup, mais lui parle trop. Mec, c'est bon, on va le tuer. Wouhou. Mec, c'est bon, là, t'es mort. On sait jamais. Mais Kratos, tu n'es pas en colère dans ce genre de moment. Tout va bien, l'ami. Zen. Wow. Les cours de méditation. Toujours un bon plan. On l'a écrasé avec une pierre, littéralement. J'ai plus d'énergie. Oh, je vais aller faire une petite sieste. En fait, on a ravagé genre la moitié de la forêt juste pour le petit combat. Non. Genre, il a survécu, mec. On peut pas le tuer. On peut pas le tuer. Il est ouf. Oh, mec, c'est chaud, c'est chaud. Quand Odin m'a envoyé ici, je voulais simplement me faire les Il a été envoyé par les dieux, mec. Par Odin. Il a fallu que tu fasses le Tu peux me frapper autant que tu veux. Ton corps va finir par lâcher. Mais avant que je t'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Rien. On s'est un peu abusé. Wow. Oh mec, faut tout remonter. Tu l'as vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance.
Je t'avoue que là, c'est bien chaud. Nous aurions pu éviter tout ça. Là, il va me frapper, non? Je comprends pas. Tu ne peux pas gagner. Je ne sens rien. Mais toi, tu sens tout. Et pourtant, tu continues à chanter. Je suis pas ton frère. Si on a le même pouvoir. Donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non. Finissons-en. Allez, c'est bon. Là, c'est bon. On va l'écraser avec une montagne parce que la pierre, ça n'a pas marché. Il a des nouvelles attaques. Mais il a encore regagné tous ses points de vie, ça se fait pas. Je comprends pas comment on peut le tuer. Faudrait qu'on l'écrase avec une montagne. Il ne peut pas me battre. Si je peux. Je fais ce que je veux. Et c'est la bonne. Yes. Faut lui arracher la tête en fait. Mec, c'est chaud. Tu vas te calmer. J'espérais qu'en t'affrontant, toi entre tous, j'aurais fini par sentir quelque chose. Mais c'est impossible. Je sais pas ce qui se passe. On doit lui craquer la tête. Ça doit faire mal. Passe une bonne journée. Plouf. Et je pense que c'est bon. Je pense qu'il est mort. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est très bizarre. C'est très joli, en fait, je trouve le sang sur la neige. Je suis un psychopathe. Mais non, en vrai, je trouve ça joli. Pendant ce temps-là, t'as Atreus qui se fait un petit chocolat chaud. Des familles. Mec, on est quand même en mort. Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? What? Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Stress cinématique comme truc. Il va falloir faire un entraînement accéléré pour l'enfant, je suppose. Et moi non plus. Je ne sais pas comment y arriver sans toi. Je pense que déjà on pourrait peut-être faire une petite sieste, parce que là on s'est vraiment battu comme des malades. Genre, mec, on a lâché un rocher, quand même. Mais on ne peut pas rester là. Oh, ce serait ouf qu'ils aient enlevé Atreus, mais je pense pas. Je pense pas. Ils sont pas méchants à ce point-là. On sait jamais. Atreus. Non, ça va aller là. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien. Je vais bien. Bien. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Mais non, pas en vacances, hein. C'est mec. Mais nous n'avons plus le choix. Et du coup, on part au sommet de la montagne. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. La montagne. Ça va être un long voyage. Oui. Mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai plus tard. Bon, voilà tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du coup sur God of War. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos sur le jeu, la suite du let's play, et que vous êtes resté jusque là dans la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça peut être sympa. Donc merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, à plus sur mon site Rayton, et ciao.